maintenant, on va dire la conclusion des quatre vérités. Pourquoi la corde ? Ils n'ont même pas laissé de quoi t'acheter une corde neuve pour te pendre. Mais ils ont pris tout le pognon. Tu crois quoi ? Quand ça fait plaisir de vivre avec 800 balles par mois, tu donnes 400 à quelques collègues, 300 à l'épicerie, hein, il te reste 3 paquets de tabac et tu vas te faire tâter l'arrêt, tu attends 30 jours. Tu touches le sous le 6 et le 7, t'as plus rien. Et à partir du 15 ou même pas du 10, ou hop, tu commences à ramasser les mégots par terre. C'est ça une vie ? Je crois que tu as envie de continuer. Pas que ça mérite un peu mieux. Hein. Moi je me présente à la mairie de Nice, tiens. Est-ce Crozy, il a même pas un CAP. Non, mais l'autre jour je rencontre une grand-mère, elle me dit, il arrive un mec à la mairie, il était con, bon la retraite la grand-mère. Elle me dit, qu'est-ce qu'elle me dit la grand-mère ? Elle me dit, il était con, j'étais Crozy. Pas pour dire du mal des peuples, moi j'aime tous les peuples, la théorie du 4-1, les 4 P, le pouvoir par, pour et avec les peuples. Mais là, la loi M. Khomri, l'arrêtons la tes conneries, qu'il aurait dit Coluche. Pourquoi ça fout le bordel ? Et puis en plus, alors que je rencontre un pareil, un vieil arabe, enfin un vieil, 70 balles, un truc comme ça, arabe à la retraite, comme ça, puis lui me dit, je sais pas qui c'était le père d'El Khomri, c'était le conseiller d'Hassan II. Le truc, tous au pouvoir, c'est pas pour dire, mais tous ceux qui ont le pognon, c'est des feuges. Pour être antisémite, hein, après, à dire, oh, t'es sur mon pote avec Dieudonné. Ben, si ça, il s'appelle Dieudonné, c'est qu'il dit la vérité. Bon. Toi, s'il s'appelle Berlusconi, j'ai la Berlusconi. Toi, s'il s'appelle Scrozzi, bon voilà. Chiotti, voilà. Crâne d'œuf. Après, j'ai serré la main, j'ai vomi, justement. Tiens. Faut se méfier des noms en i. Bon, après mon pote c'est Molinéry, ça c'est pas pareil. Ça fait plus que l'âge du Christ qu'on est potes. On se connaît depuis la 6e, depuis qu'on avait 11 ans. Enfin, moi j'avais 11 ans, lui il avait 12 ans. Voilà. Tout ça pour dire quoi en conclusion ? Bon, bah il faut une révolte planétaire et puis c'est tout. Il n'y a pas à chier. Même à la limite, je pourrais dire E.T. Enculeur d'extraterrestre, quoi. E.T. C'est comme les perceuses Ilti. Hein. Enfin bref. Oh lolo. Attention. Moi, je vais pas aller me faire péter avec une ceinture de bombe. Ça, c'est des mecs qui mettent dans les caves sous cacheton, ils en font des tueurs. Disparu, tu crois qu'ils disparaissent ou ils disparaissent pas, hein. Arrêtez les conneries. Hein. Tu connais pas l'armée ? Le frère à Florence qui a pleuré tout l'autre jour, son vieux frère il était mort parce qu'il avait fait une connerie, il s'était engagé dans la Légion, va t'en t'évader en Corse. Les mecs dans des caves enterrés jusqu'à temps qu'ils s'entretuent, qu'ils mangent entre eux ou alors à casser des cailloux 24 heures par jour avec un hop. Mais ça a été interdit à la vente, ça fait mauvais genre. Je sais. Je crois quoi quand Hollande y va en Corse ? Je crois quoi les missiles là ? Tu crois quoi la guerre là ? Ils leur formatent le bocal. Alors c'est normal qu'ils sont pas contents. Franchement, j'ai lu le Coran français, c'est très bien. J'ai lu la Bible, c'est très très bien. J'ai lu le bouddhisme, c'est très très bien. Les Ramachankris, les trucs comme ça, les Tibétains, les mandarins, les tout ce que tu veux. L'important, c'est le devenir de l'ensemble. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. C'est ça la conclusion. C'est où tout le monde un petit peu, ou alors plus personne, plus rien, il n'y aura plus rien. Voilà. Pas compliqué, hein. Là, aujourd'hui, depuis. Il y a un peu de vent. Pour moi, quand il y a du vent, c'est papa qui n'est pas content. Quand il pleut, c'est Marie qui pleure sur ses enfants. On a des cartes mémoire de l'eau, je le redis en conclusion. La vie sur Terre, tu nais au point A, tu meurs au point B, ça c'est la vie de la viande. C'est ton bout de barbac, c'est ton cyborg. Comme ça, c'est ton enveloppe. Pas compliqué. Après, dans l'autre sens, il y a la vie de l'esprit. C'est pareil, tu démarres là, tu finis là. Mais si tu prends un papier, tu le plies en deux, tu fais le point A, le point B. Tu les mets au coin, dans les quatre coins. En plus, ça fait un plus.
Ben, si tu le plies en deux, avant d'être né, tu étais déjà mort. Et l'esprit, c'est pareil. T'as un passage sur Terre, c'est ce passage qu'il faut comprendre. Dans l'esprit, le temps et l'argent n'existent pas. Enfin, il faut déjà avoir un esprit, comme ils ont enlevé à tout le monde. C'est pour ça qu'ils interdisent l'alcool ou qu'il ne faut pas fumer. C'est très très bon pour l'esprit. Tu vois les pays, je sais pas, la Hollande ou trucs comme ça. T'en vois des attentats comme ici, toi. Tout le monde y fume un calos, il relaxe. Hein? Musique. Ça doit faire 8 ans que j'ai pas pris un cacheton. Depuis que je bois mon coup tous les jours, de temps en temps un petit pétain. Voilà. Oh, je sors la loi. Hein. Oh. Morceau de loi de merde maçonnique, sa mère. Là. Hein. En fait, les lois, c'est quoi? C'est des lois de riches votées par et pour les riches. C'est pas compliqué. Ça n'a jamais été pour le peuple. Le peuple, plus ça va, plus il a rien. Alors tout le monde dans la rue vendredi. Voilà. Sinon, je me pends dimanche, c'est tout. C'est pas France dimanche, c'est pas en attendant dimanche ou l'autre vivement dimanche, tu sais, chez Drucker, tout ça. Alors à dire, mais qui c'est qui a les bons postes à pognon? Ben c'est des juifs. C'est pas être raciste, c'est pas être antisémite. Parce qu'ils ont été plus malins. Le malin c'est qui? C'est le genou, c'est le diable. Voilà, voilà, voilà.